Bonjour à tous, bonjour pour la deuxième fois de la soirée. Merci de nous retrouver encore sur On ne vous demande pas d'y croire pour une deuxième interview avec quelqu'un qui nous vient de très loin, de Tahiti. Elle s'appelle Céline Hervé-Bazin. Céline, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Yorana, ben merci à toi de me recevoir avec grand plaisir. En tout cas, c'est vraiment un plaisir parce que tu vas nous parler du mana. Alors, tu viens en France exprès pour faire connaître le mana. On va de suite aller dans le vif du sujet, direct, comme avec Jean-Jacques tout à l'heure. Qu'est-ce que le mana? Of course. Logique. Le mana, il y a plusieurs manières de répondre. Ma première réponse sera la mienne pour placer aussi le vif du sujet de qui je suis. En tahitien, c'est très important de dire qui on est pour se présenter. Le mana est une énergie d'amour. Bon, placé. Après, il y a le mana qui a été reconstruit par les Occidentaux. Donc le mana, c'est plutôt un concept de pouvoir, de force. Aujourd'hui, il a été reconstruit aussi par l'Office du tourisme. Donc ils ont fait une campagne de communication pour promouvoir les îles de Tahiti autour du mana, autour de la culture polynésienne. Et les Polynésiens ouvrent cette campagne, la définissent comme une force vitale, une énergie spécifique qui circulerait en fait au sein de Tahiti. Maintenant, si on est dans l'étymologie, le mana, c'est le manouf, c'est l'esprit, c'est l'énergie qui circule. Ce serait le chi, le prana, Ouais, le d'accord. pneuma. Ce serait véritablement l'énergie sacrée. Donc l'énergie du chaman, l'énergie divine, l'énergie invisible, tout ce que l'on peut mettre dans cet indéfini amour, indéfini univers qui tourne autour de nous. Alors, qui es-tu, Céline? Ovaïoé. Comment tu t'es intéressée au mana, justement? Pourquoi? Et tu Alors, es née à Tahiti? le mana m'est tombé dessus, ou peut-être que je suis tombée dans la marmite du mana. Tahiti est venu à moi depuis l'enfance. J'ai dessiné des vahinés à l'âge de 7 ans. Mon premier copain était un marquisien, en France, je précise. D'accord. J'ai connu toute une série d'épreuves qui m'ont fait aller au fond de la piscine, je reprends l'expression de Jean-Jacques. Donc, il appelle ça, moi, ma tour qui s'est effondrée. Et je me suis dit, c'est bon, on va arrêter l'apocalypse, on va prendre un billet pour Tahiti parce que ça faisait quasiment 10 ans que je savais que je devais aller à Tahiti. Je suis arrivée à Tahiti et le premier mot, c'est je suis chez moi. Donc le mana est arrivé par cette petite porte, cette intuition, cette voix invisible qui me guidait. Et après, il est arrivé par la grande porte à travers une formation avec Luc Baudin. Et ma copine de soins travaillait à l'office de tourisme et commençait une campagne sur le mana. Et quand elle m'a dit le mot, je me suis dit, c'est quoi ce mot? Je ne connais pas ce mot. J'étais prof à l'époque. J'ai demandé à mes étudiants, qu'est-ce que c'est le mana pour vous? Et là, j'ai vu des étoiles. Alors, certains, c'était le manga, c'est-à-dire les jeux vidéo japonais pour eux. C'était Yoda dans Star Wars. Et puis, certains, c'était Madame, c'est le truc des anciens que personne ne veut nous expliquer. Et là, j'ai dit, ah, on va ouvrir cette porte-là. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans le mana, ce qui m'a permis de rentrer dans la médiumité, le chamanisme, de rationaliser, parce que je reste quelqu'un de rationnel. Et de faire une enquête aussi, de vivre une très très belle aventure avec mes étudiants qui sont partis à la rencontre du mana et qui ont été interviewés des sculpteurs, leurs familles, leurs matayapo, on dit en polynésien, donc leurs grands-parents, et ont pu se réapproprier une définition du mana. Et c'était vraiment très beau parce qu'ils ont été très créatifs. Et c'est voilà, c'était beaucoup de témoignages d'amour, beaucoup de témoignages de reconnaissance de son nom. Tu m'as demandé qui es-tu? Bah, plusieurs de ces étudiants et moi avec eux, C'est ça. finalement, ils ont été mon enseignant. Du mana, ça m'a permis de me reconnecter à une part de moi-même que je voulais mettre de côté. Est-ce que toi-même tu as des facultés? Est-ce que tu utilises le mana avec tes facultés? Alors, j'utilise le mana car je suis voilà, rentrée dans la porte du chamanisme avec le mana. Après, je préférerais dire que le mana, c'est une énergie universelle, qu'elle est en chacun de nous, que nous sommes tous médiums, que nous avons tous cette compétence en nous. Par contre, on va être tous différents dans la manière de l'utiliser. On va tous être des médecins différents avec différentes compétences. Et donc, la question, c'est quelle est votre médecine? En polynésien, on dit quel tahoua es-tu? Donc, tahoua, ce serait l'équivalent de chaman en français. Et ce serait vraiment de dire quel expert es-tu? Parce que tahoua, ça veut dire expert, en fait, dans la langue tahitienne. Et je pense que quand on a atteint cette expertise, cette connaissance, mais pas au sens je suis un expert, j'ai un diplôme, au sens je me connais moi-même et je connais mon corps et je connais qui je suis, je vais pouvoir développer
cette expertise qui va me rendre complémentaire aux autres et recréer les liens d'amour, les liens d'énergie, les liens de magnétisme. Mais là encore, c'est chacun va vivre ses capacités. Mais comment on se connaît soi-même ? Ah bah, tu n'as qu'à taper chez le temple de Delphes et on te dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux ». Je pense qu'on se connaît soi-même à la source, qu'on se connaît soi-même à la naissance, qu'on vit un ordinateur invisible pendant nos 7 premières années, on est amnésique, hein. On enregistre plein de choses qui vont être des données extérieures, qui vont nous structurer, nous déstructurer aussi. Et avec la construction de l'âge adulte, on peut reconnaître ces structures, si tant est qu'on le souhaite, hein, bien sûr, et avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion vis-à-vis de soi-même, on peut retrouver qui on est. Après, le soi n'est-il pas une identité bougeante, flottante, telle à l'eau d'ailleurs, je pourrais réintroduire un sujet comme ça. Donc on pourrait dire que soi-même, c'est quelque chose qui bouge. Par contre, on a quand même une connaissance de soi. On peut atteindre, bah oui, j'ai tel défaut, j'ai telle qualité, où je suis, je respire, et donc je suis là. Je suis déjà cette personne qui respire et qui émane, qui a son mana. Et est-ce qu'en Polynésie, le mana est utilisé de façon générale chez les médiums? Est-ce que tout le monde utilise le mana? Est-ce que c'est culturel de faire de la médiumnité avec le mana? Alors, on va dire oui et non, sinon ce serait trop simple. Non, parce que le mana a été déconstruit avec la colonisation religieuse, l'arrivée donc de la religion protestante et catholique. Il a été pointé comme un mauvais œil, il a été pointé vers la sorcellerie et la magie noire. Donc aujourd'hui, il y a plutôt une peur. J'ai vraiment, vraiment beaucoup entendu « ne parle pas du mana, il ne faut même pas prononcer le mot ». On est dans Harry Potter, Voldemort, tu vois. Donc c'était assez… Ah pardon, le nom dont on ne prononce pas le nom. Voilà, donc c'était vraiment… cette ambiance très forte de le mana, c'est le sorcier qui va venir prendre possession de toi, qui va mal te guider, qui va être offensif. Donc il y avait véritablement une très grosse, bah, pour moi, incompréhension de ce que c'est le mana polynésien ou de ce que le polynésien détient en lui, alors avec beaucoup de respect, pardon. Pour moi, là, c'est là où je vais dire oui. Tous les Polynésiens ont du mana, déjà parce qu'ils respirent tous, en commençant, parce que je pense que tout être est apte à aimer, et parce qu'en fait, ils ont quand même gardé un lien très fort avec la Terre. La Terre est un lieu d'énergie, un lieu de ressourcement, avec l'eau, avec les éléments. On est entouré d'eau à Tahiti, on est entouré de rivières, de cascades, de lagons, du grand océan, le Moana. Donc on a véritablement cette connexion à la nature, qui est la première porte du mana. Dans la pratique polynésienne, on a 5 piliers. Donc la nature est le premier pilier, le fénois. La deuxième, c'est le corps. Une fois que tu t'es reconnecté à cette nature silencieuse, tu vas reconnecter ton corps. Et les Polynésiens portent du mana. Il suffit d'aller à un spectacle de danse polynésienne pour voir émaner les personnes de bonheur, d'amour, d'art. Enfin, c'est magnifique, les danses polynésiennes, mais même les courses de pirogue. Enfin, il y a véritablement un mana naturel. Je pense que quand on voit un beau Maori ou une belle Vainé, on voit bien qu'elle a un mana. Ce qui a beaucoup polarisé le mana, c'est le haka des Néo-Zélandais, oui. Hein, de l'équipe de rugby. Donc on voit véritablement ce mana émerger en eux. Ensuite, le troisième pilier, c'est l'alimentation. Tout ce que tu manges va nourrir cette énergie vitale. D'où l'importance d'écouter son corps, mais aussi de bien le nourrir. La première nourriture, elle est spirituelle, elle est colorée. Ce que tu manges a de la couleur. Donc quand on regarde la nourriture polynésienne, elle est crue, elle est cuite et elle est colorée. Et ça, c'est très important de comprendre que ton mana va se nourrir de cette nourriture, mais elle va se nourrir aussi de la nourriture spirituelle, de la nourriture émotionnelle, des contacts des autres. Et enfin, quatrième étape, c'est le upo'o. Donc le upo'o, c'est le mental. C'est l'esprit que l'on va nourrir de légendes, de mythes. Il y avait vraiment une tradition orale, mais dans toutes les traditions anciennes, l'oralité était hyper importante parce que c'était le moment où on donnait les histoires de la famille, mais aussi les histoires, les légendes que nous, on a classifiées en tant que mythes, mais qui en sont en fait une manière de reconstruire des émotions et de reconstruire un esprit bien pensant. Et c'est là que tu atteins le cinquième pilier, qui est le tahoua. Quelle est ton expertise? De quelle eau es-tu fait ou es-tu faite? Et quand tu as compris la source qui coule en toi, tu pourras être le meilleur mana, ou en tout cas le mana le plus, je vais dire le mot puissant, le plus puissant, mais puissance d'amour et puissance de partage. Le mana, comme tu dis tout à l'heure, c'est cette énergie, le ki, comme, voilà. Mais c'est aussi, quand tu dis que quelqu'un est mana, c'est personnifié, cette personne qui a atteint ce stade, c'est ça? Alors, ce serait, si tu regardes, là encore, je vais me référer à l'histoire, hein, la cosmogonie polynésienne, et tu as toute une série de divinités, comme chez les Grecs, comme chez les Romains, comme chez les Nordiques.
les Celtes, on va avoir toute une série de divinités qui vont avoir des fonctions. Donc on retrouve toutes ces cosmogonies. Ça veut dire que la divinité va avoir des attributs, va avoir des vertus de protection. Donc ça, c'est une manière de la personnifier. L'autre manière qui a été de personnifier la divinité, c'est le tiki, le mohai. Donc c'est la statue de pierre. Souvent, j'ai entendu en interview, c'est la photographie des anciens. Sauf qu'on explique que cette photographie, ben on va le retrouver dans la Bible ou même dans le Coran, ça va être l'incarnation de Dieu et on ne doit pas représenter Dieu. Et donc si on représente Dieu, on fait un péché d'ego, car le divin doit rester secret et sacré. Et c'est vrai que c'est là où on dit ben, qui est Dieu et qui porte ce mana ? Ben, nous le portons tous et en même temps, il ne nous appartient pas, il ne fait que passer à travers nous. Les Moai, ça amène à l'île de Pâques. Complètement, l'île de Pâques, oui. C'est là où, en fait, alors c'est hyper intéressant de regarder comment un Moai est construit. En fait, un Moai est construit, c'est une très grande tête, un grand nez, des grands yeux, des grandes oreilles, une grande bouche, donc les cinq sens, puisque tu vas aussi avoir la peau. Donc, il y a une des structures d'accès au mana. Hein. Il y a 11 structures, en fait, chez les Polynésiens, parce qu'il y a quand même une idée de protocole, hein, même si le but, c'est de faire émerger une intuition. Donc, de guider, en fait, dans l'enseignement sacré avec des points de repère. On dit souvent, en formation polynésienne, on est là pour donner une carte. On est là pour donner une boussole. On utilise les étoiles. Il y a autant d'étoiles que l'on veut dans le ciel. Par contre, on va choisir des étoiles, comme quand on est, pour guider cette médecine. Et en fait, une des structures pour lire l'intuition, pour reconnaître l'intuition en soi, c'est la structure sensorielle, les cinq sens. Donc, utilise tes cinq sens. Et le moai, comment il fait pour utiliser ses cinq sens ? Il a un tout petit corps avec des mains qui sont posées sur son ventre, sur son pito, sur sa matrice. Donc, c'est véritablement, je reconnais mes cinq sens à mon siège d'énergie sacrée. Pour les Polynésiens, mais je pense qu'on le dit de plus en plus, hein, l'intestin est le deuxième cerveau. Le cerveau émotionnel. Médecine ayurvédique, on en parle beaucoup. Donc, on a véritablement cet héritage que la matrice va porter toute cette alchimie émotionnelle du fait de se nourrir, du fait de respirer, du fait aussi d'avoir des déchets organiques, tout simplement. Donc, on va pouvoir reconnecter l'identité dans ce serpent d'eau. On dit toujours le serpent de feu. Chez les Polynésiens, on parle du serpent d'eau, qui est en fait l'anguille, hein, parce que l'équivalent du serpent chez les Polynésiens, c'est l'anguille, qui est plutôt en eau douce, et qui va faire toute cette histoire, cette légende du système digestif et de l'identité de la personne. Tu as visité l'île de Pâques ? Oui, bien sûr. Tu peux nous raconter un petit peu, qu'est-ce que tu as ressenti ? Une médium qui visite l'île de Pâques, ça doit être extraordinaire. Alors, ça donne beaucoup, beaucoup de canalisation, beaucoup, beaucoup d'informations. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à vélo, parce que qui dit canalisation, dit utilisation de son mental, de son énergie. Et comme j'ai le réflexe d'utiliser mon corps dès que mon mental prend beaucoup de place pour pouvoir exprimer, en fait, mon corps émotionnel et pas que mon corps mental, faire travailler les deux. Hein. Donc, j'ai fait beaucoup de vélo à l'île de Pâques. C'était aussi devoir bouger, notamment la... Ah zut, j'ai un trou. C'est là où on faisait les Moai. Oui, c'est un nom, c'est pas grave. J'oublie, donc on laisse passer. L'usine à Moai. Merci beaucoup. L'usine de construction en plein air des Moai, qui est très puissante. Et c'était aussi beaucoup de rencontres improbables, anecdotiques, synchroniques. J'ai retrouvé une de mes étudiantes, parce qu'avant de venir en Polynésie, j'étais enseignante en MBA. Et j'ai retrouvé une de mes étudiantes dans l'avion. Enfin, c'était complètement improbable. Et puis, j'ai aussi bu beaucoup de pisco. Ça, c'était sympa comme expérience. C'est alcoolisé ? Oui. Buvons de l'alcool pour remettre, ou plutôt pour lâcher les barrières. Parfois, d'accord, ça peut être sympa. Alors, tu dis que tu as eu des informations. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, j'ai beaucoup questionné l'enjeu de l'ego, puisque j'ai été dans une phase de déconstruire mon ego, de qu'est-ce que ça veut dire l'ego. J'étais quelqu'un qui a vraiment été éduqué dans une famille peu ouverte à l'ésotérisme, qui avait sa religion. Donc tout le monde de l'ésotérisme, c'était un monde vraiment inconnu pour moi. Et l'ego était une notion très lointaine. Donc j'ai entendu le mot ego et je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ce mot ego ? Et le moai est une représentation en fait, de l'ego. Ça veut dire qu'on représente effectivement une personne qui décède. On va en faire une statue, donc une divinité. Donc on prend quand même le pari de créer une mémoire de la personne, de l'institutionnaliser, d'écrire qui elle a été à travers une statue, donc n'est-ce pas de l'ego. Et ce que j'ai appris, c'est qu'une des raisons de la destruction de l'île de Pâques ou de la fin de cette civilisation que les Polynésiens vont appeler la Lémurie, hein, ou les Atlantes, ça a été justement le péché d'orgueil et le péché d'ego. C'est-à-dire qu'on revient sur l'idée que si je me représente et que j'inscris dans la mémoire matérielle le divin qui m'a porté pendant ma vie,
je deviens Dieu en tant qu'âme défunte. Donc, je fais un péché d'ego et je transmets une information qui pourrait être mal interprétée. Et pour, voilà, pour les, on va dire, les Pascouins, hein, cela aurait créé les oppositions entre fratries, parce qu'une des raisons, il y en a plusieurs, hein, de la fin de la civilisation pascouane, ce serait les luttes intestinales entre les tribus, ce qui serait aussi la raison pour la Polynésie. Avant que les Européens arrivent, certains témoignent véritablement de luttes de tribus, de luttes d'ego, donc de comment on gère ce mana, de comment on gère... Il n'y a pas de trace écrite là-dessus. Non, t'en as très très peu, très très peu. Alors par contre, il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit hein, sur les ouais. Moai, qui ont cherché à percer hein, le mystère des Moai, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Maintenant, sur véritablement cette cause énergétique, je parlerai de cause énergétique, de cette... Ça, c'est ce que tu as perçu. C'est ce que j'ai perçu, ou de ce que j'ai reçu. Après, je reste un canal, donc je reçois aussi des connaissances qui vont dépendre de ma propre histoire et mes propres attentes. Hein. Mais c'est ce que j'ai appris pendant l'île de Pâques. À l'île de Pâques. Bon, je rappelle, donc tu es quand même médium. Oui. Donc, tu canalises les défunts ou alors tu canalises plutôt tu guides des personnes vers je sais pas moi, vers leur chemin de vie ou vers quelque chose qui serait du mieux pour elles. Zéro limite hein, chez les Hawaïens. Aucune limite, tout ce que tu Est-ce demandes. Est-ce que tu appelles mana? Tu appelles l'esprit de mana. Alors c'est drôle, je ne l'ai jamais appelé. Je vais peut-être le faire. 3615 mana, est-ce que tu peux venir? On l'a fait tout à l'heure. C'est toi qui m'as raconté ton anecdote avec mana. Je n'ai jamais pensé. Alors mon filleul m'appelle mana, donc c'est peut-être lui qui me canalise. Il a 2 ans et demi, hein, forcément. Ah oui, oui, ouais. Il est ouvert. Bisous Sky d'ailleurs. Pour répondre à ta question sur qui on canalise, pour moi c'est zéro limite et j'ai eu la chance d'avoir zéro point de repère sur l'ésotérisme. Donc, de demander, on m'a dit c'est zéro limite, moi je suis au supermarché, hein, je pense que je veux. Donc, j'ai demandé à canaliser les défunts, à canaliser les guides, les entités, la guidance, des personnes célèbres. Enfin, c'est toi qui. Voilà, c'est toi qui demande, et puis après, tu vois ce que tu reçois. Tu as toujours quand même canalisé, même quand tu ne voulais pas en faire ton métier, ou alors. Il y a eu un déclic qui a fait que, c'est parti. Je pense que j'ai toujours canalisé, et ce qui m'a permis de canaliser, c'est l'écriture. Je suis issue d'une famille d'écrivains. Mon papa m'a beaucoup appris à regarder le dictionnaire, m'a encouragée à écrire. Ma grand-mère m'a énormément encouragée à écrire. Donc, j'ai beaucoup écrit. Je pense que ça a été ma manière pour moi de canaliser. Je voyais aussi des choses, et comme j'étais dans une famille qui était fermée à ça, je me souviens très bien avoir vu par exemple un serpent sous le lit et je le trouvais sympa. C'était un serpent invisible. Hein. Mmh. Et ma grand-mère me disant c'est pas possible. Et je me souviens me dire ah, faut que je ferme peut-être ça, ça a pas l'air d'être normal. Donc, tu avais quel âge ? 7 ans. Ça, je me souviens très bien. Et l'âge de la sagesse. Bon, j'ai trouvé un crabe après, j'étais très fière. Hein, un vrai ? Oui, un vrai. Lui, c'était un vrai. Dans mon petit seau, j'étais trop contente. On a pris des photos du crabe, voilà. Et on a vu aussi un serpent peu de temps après, un vrai aussi, qui a été décapité par le voisin. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que comme j'étais dans une famille qui avait peur, clairement, puisque c'était aussi un héritage familial, j'ai été orientée vers d'autres choses qui m'ont d'ailleurs beaucoup, beaucoup apporté de bonheur. Et bien, quand j'ai dû déconstruire qui j'étais, parce que je voyais bien que j'ai répété des expériences douloureuses, que je manquais de réaliser certains de mes rêves, là, j'ai ouvert la porte hein, des thérapies alternatives, du développement personnel, de l'ésotérisme. Et j'ai l'impression vraiment que j'ai reçu une claque. Je dis souvent que j'étais plutôt un Saint Thomas. J'avais besoin de voir pour croire. Et donc, ça a été d'une certaine violence, mais c'est en même temps ce dont j'avais besoin pour justement croire. Enfin, ma thèse, ça portait sur la rhétorique de la preuve. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut être clair. Et c'était de l'invisible au visible, donc je cherchais des choses. Et du coup, tout est arrivé très vite, mais en Polynésie. Tu crois que tu as été poussée, guidée oui. pour aller vers ce chemin ? Ah oui, oui, j'ai même été fessée. Hein. Ah ouais. Ouais, je pense que j'étais un petit peu, un peu pas grondée, mais un peu... ouais, hein, allez, tu vas arrêter là. Pareil pour la Polynésie ? Oui, complètement. Pourquoi la Polynésie ? Tu avais déjà été une fois, c'est ça ? Dans une ancienne vie. Pas dans ta vie actuelle. Ma vie actuelle, j'y suis allée à 33 ans. Ah oui, voilà. Donc il n'y avait aucune origine. Aucune origine, aucun lien. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Polynésie ? C'est la petite voix. C'est vraiment la petite voix. Ah ouais, c'est la petite voix qui s'accélérait en grandissant, s'accélérait
avec mes études, avec ma carrière. Enfin, vraiment, c'est... Et il y a un moment, bah, c'est l'apocalypse autour de moi. Et là, je n'ai qu'une solution. C'est d'écouter cette petite voix, de prendre un billet et de partir. Tu n'as pas eu de doute de dire, mais je fais n'importe quoi ? Non. Parce que tu avais une doute quand même plutôt... Ouais, j'avais une rérangée, j'ai démissionné de la Commission européenne, j'ai quitté un super appart à Paris, mais j'étais dans une telle détresse. Enfin, j'avais eu un faussaire qui a imité ma signature, un copain qui me quitte de manière injuste. Donc il y a un moment où quand tout s'écroule et qu'on te dit la seule solution c'est la petite voix et c'est va en Polynésie parce que c'est là que tu vas comprendre quelque chose sur ce qui t'arrive. Ben, il y a un moment où c'est ta seule... Enfin, moi, c'était ma seule respiration possible, en fait. Donc, ouais, j'ai douté beaucoup avant. J'ai douté pendant 10 ans. Mais à ce moment-là de ma vie, c'était une clarté. Et comment tu l'entends, cette petite voix? Elle est très claire pour toi? Je l'ai refusée pendant 10 ans. Donc, je pense qu'elle n'a pas été claire pendant longtemps. Qu'elle a essayé de parler par plusieurs moyens, mais qui était genre sourde, tu vois. Mais quand tu l'écoutes, par contre, c'est elle qui devient ta meilleure copine, quoi. Tu sais que quand elle te parle, elle a raison, quoi. Est-ce que c'est la même voix que tu entends quand tu canalises? Oui. Oui, c'est la même voix. Qui c'est? C'est une grande question. Je dirais que c'est moi, c'est pas moi, c'est toi, c'est l'univers, c'est quelqu'un qui me protège. C'est une connaissance aussi, si on revient sur l'idée du mana. Ouais. Ouais, je vais rester sur le sujet du mana. C'est vraiment une connaissance accumulée, une série d'énergies accumulées. C'est une connaissance qui est en chacun de nous, une source universelle en chacun de nous, qui va venir t'aimer, te conseiller et te guider vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Donc, est-ce que tu crois que cette petite voix nous guide vers ce qu'il y a de meilleur pour nous dans notre vie physique ou est-ce qu'elle nous guide, c'est une question que je pose souvent d'ailleurs parce qu'elle m'intéresse, ou est-ce qu'elle nous guide par rapport à notre chemin d'âme ou ce qu'on avait décidé avant notre incarnation? Ce qui veut dire aussi que malheureusement, pour notre vie physique, il peut nous arriver des tuiles pour qu'on apprenne des leçons. Oui. Parce qu'on les a demandées avant notre incarnation. Après, ce qui est sûr, c'est ce que je ressens, c'est que parfois la petite voix, elle va utiliser des canaux qui seront peut-être, on va dire, pas à ton service, même si j'aime pas utiliser cette formulation, donc je vais en chercher une autre, qui va chercher à peut-être à te faire prendre des chemins de traverse pour apprendre. Mais du coup, est-ce que tu entends vraiment ta petite voix ou est-ce que tu entends ton ego? On en revient à... C'est dur à savoir. Comment tu fais? C'est le moment où tu fais confiance, tu as la foi. Moi, mon chemin de vie, c'est vraiment d'avoir la foi et d'essayer de... Alors, si on revient sur la Polynésie et sur les Tarouas, ça passe, comme on dit. Son grand apprentissage, c'est de dire, plus tu as un environnement sain, plus tu pourras entendre cette voix lumineuse. Plus ton environnement est toxique, alors c'est qu'est-ce que ça veut dire, plus ta voix va se déplacer, va peut-être devenir plus flou au lieu de plus fluide. Mais est-ce un mal? Là encore, on en revient sur l'idée de elle est là peut-être pour te faire apprendre. Mais à quel prix souhaites-tu apprendre? Apprendre toi ou ton âme? C'est ça le problème. J'espère que c'est moi. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Mon âme, est-ce qu'elle sait déjà pas tout? Est-ce que tu vois des choses aussi? Voir dans l'invisible. Est-ce que tu entends? Donc, oui, clairaudience, clairvoyance, clairsentence. Clairvoyance, tu as aussi? Ouais, j'ai zéro limite. Et comment ça se manifeste? Tu vois des formes? Tu vois... est-ce que c'est de la fumée? Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est très fort? Comme quelqu'un qui est devant nous, est-ce que tu vois des êtres invisibles comme moi, comme tu me vois là en ce moment? Je vais avoir deux réponses, deux images. La première, c'est celle que je vois en soin et qui est magnifique. C'est un rideau d'eau, un rideau lumineux, un rideau qui va prendre une forme et qui va te parler et qui va envelopper la personne pour la guider elle, puisque je ne suis que l'intermédiaire. Et ça, c'est pur, c'est indescriptible, c'est irrationnel. Ce rideau apparaît d'un coup? Oui. Quand tu te connectes. Hein. Ouais. Et l'autre, ça va être la clairvoyance. Donc, c'est le moment où tu vas faire de l'allégorie, de la métaphore, raconter une histoire à la personne. Et donc là, tu rentres, tu branches ta clé USB, tu trouves ton film et tu trouves le film plutôt de la personne. Et là, tu rentres au cinéma. Donc, je vais beaucoup au cinéma et je raconte une histoire. Donc, j'aime bien dire que je suis là pour raconter des histoires. Un médium raconte beaucoup d'histoires.
à tous les sens du terme. Tu es obligé de te mettre en condition pour pouvoir canaliser, ou alors c'est des choses qui peuvent t'arriver dans la vie de tous les jours, n'importe quand? Au début, ça m'arrivait n'importe quand. J'ai demandé à ce que ce soit juste pour moi. Donc ça s'est orienté, ça s'est canalisé aussi, d'ailleurs, ce serait un bon mot. De plus en plus, j'ai une vie, parce que j'aimerais bien garder ma vie de Céline aussi, et Céline a ses... J'aime bien quand je parle de moi à la troisième personne aussi. donc c'est, voilà, je suis le roi, je suis Louis XIV, petit message. Bref, ouais, c'est une manière de raconter une histoire, de suivre un flot. J'ai oublié du coup la question en parlant l'ego, en essayant de déconstruire mon propre ego. Mais on va avoir véritablement une recherche, un sillon à travers ce que tu cherches à donner à l'autre, en fait. Enfin, ce que tu souhaites proposer à l'autre, ce que tu souhaites offrir à l'autre, ce que tu peux proposer comme guidance, comme outil à la personne qui vient te voir. Alors, qu'est-ce que tu proposes justement comme outil? Est-ce que tu leur fais des guidances, c'est-à-dire que ou alors tu leur donnes des chemins de vie des chemins de vie possibles, ou alors tu leur fais carrément une voyance, leur dire que ça va être comme ça, si vous continuez comme ça, il va arriver ça. Si je fais une voyance, c'est que, enfin, si j'ai cette autorité-là, tu as cette autorité, justement. Je vais éviter, hein. Ouais. Vraiment. Je pense que ce serait mettre beaucoup d'ego dans ma canalisation. J'aime bien dire qu'on est là pour poser des questions, pour accompagner, pour donner de la compassion, donner de la confiance, donner de l'amour, donner des points de repère. La personne après fait son propre sillon. Donc, pour répondre à ta question, c'est je vais peut-être plus donner une émotion. Je vais peut-être donner une clé énergétique par ce que j'ai vécu, par ce que la personne a vécu. Donc, dans l'échange que l'on fait, hein, le secret du guérisseur, c'est que la personne qui vient à toi te donne beaucoup aussi. Donc, on parle du don et du contre-don. Chez les Polynésiens, on parle de hutu et mouv. Tout ce que je te donne me revient sous une autre forme. Ça va être... C'est pour ça que les légendes sont intéressantes chez les Polynésiens. C'est une manière de raconter à la personne une légende, une histoire, des points de repère symboliques, émotionnels et bien sûr sur le corps, puisqu'on va quand même être là pour accompagner un soin du corps. Maintenant, si tu veux vraiment répondre à la question de comment se passe un soin, moi, chaque soin est différent parce que chaque personne est différente. Donc, tu vas t'adapter. Certaines personnes vont avoir besoin de silence, vont avoir besoin de faire un soin énergétique. Certaines personnes vont avoir besoin d'une médiation, d'un échange, donc de parler. Certaines personnes vont avoir besoin de télépathie. Mmh. Donc, un silence télépathique, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Ça va être un flow qui va dépendre. Est-ce que le fait d'avoir acquis cette culture polynésienne influence ta façon justement de canaliser? Est-ce que tu canalises, est-ce que par exemple tu canalises comme une personne qui habite à Paris, qui est parisien et qui toi tu es une ancienne parisienne, donc est-ce que tu vois, là tu peux voir vraiment la différence une fois que tu as acquis cette culture polynésienne et l'avant aussi? Je pense qu'il y a chaque tradition a sa culture sacrée et qu'on est chacun là pour proposer ces traditions. Le Pérou, le Mexique, la France, les druides, les Dogons, les Indiens, chacun. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun va avoir un langage, va avoir des mots, va avoir une histoire. Et donc, dans la pratique chamanique universelle, va nourrir des clés pour les personnes. Donc, on peut se nourrir de cette diversité culturelle. Après, pour moi, la pratique, je pense que je peux la comparer à un médium de Paris, puisque nous sommes dans une source universelle, une source qui est unité. Une source qui nous appartient à tous et qui est disponible aussi à tous. Donc oui, entre chamans, entre médiums, on se reconnaît, on se connaît. Et je pense, enfin, j'en sais rien, il faudrait en inviter plusieurs pour poser la question. Le rapport à la nature, oui. Je trouve très proche justement des chamans d'Amérique du Sud ou pourquoi pas de Mongolie. Mais voilà, on est très proche de la nature. Oui. Tu parles beaucoup aussi de l'eau. Oui. Aussi, il y a quand même il y a un petit côté militant aussi. Tu parles beaucoup de l'eau, des femmes. On te voit très proche de la nature. Est-ce que justement cette approche de la nature influence aussi ta façon de travailler? Oui, complètement. Parce que déjà, la nature elle serait un guide naturel, un guide qui est là pour toi. Pour moi, dans mon histoire, si on revient, parce que c'est aussi une question sur mon histoire, ayant grandi au Maroc, avec l'eau en face de moi, c'était un élément réconfortant.
en Polynésie, on vit le cycle de l'eau pendant une journée. Donc on va vraiment voir les nuages monter, la pluie arriver, cette espèce de soulagement après la pluie qui fait retomber la température et qui va refaire la nuit. Donc on va suivre ce cycle de la nature. Et ce cycle de la nature, bah, c'est notre nature. Et l'eau, on est fait à 70% d'eau. On est 70% de notre planète serait faite d'eau. C'est quelque chose qu'on pourrait interroger. Donc on est fait d'eau et l'eau, on va dire, était le premier élément qui m'a parlé. Alors en Polynésie, l'élément de l'eau, c'est la réparation et la purification. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est cet élément-là qui m'a parlé. Maintenant, bah, j'apprends la terre, j'apprends le feu, j'apprends l'air aussi. Et tu dis que tu travailles aussi avec des nouvelles approches de soins. Oula, j'ai vraiment dit ça. Sur ton site, des soins qui font la médecine intuitive. Oui, complètement. Bah, c'est les structures sur lesquelles je suis en train de travailler, sur lesquelles je suis en train de me former. Donc, ce serait véritablement le postulat que le médium est le médecin. Donc, c'est le médecin sacré d'avant, qui a eu toujours une place dans les structures anciennes, qu'il est aujourd'hui un médecin, alors qu'il a connu aussi toute cette... je pense, ce secret, cette confrontation, le rapport à la justice. Enfin, tu peux vraiment parler aussi d'une désacralisation de la place du médium. On peut aussi parler, bien sûr, de quelle est la vérité de ce que dit le médium, donc le passé de l'arnaqueur, le passé du charlatan. Enfin, tu vois, voilà. Donc, toute cette couverture fait qu'aujourd'hui, le médium reprend sa place. Quelle place souhaite-t-il occuper? Et je reste une docteure rationnelle. Donc, je reste quelqu'un qui va vouloir travailler sur ces structures-là. Donc là, toute ma technique, tout ce dont je travaille en ce moment, c'est véritablement une nouvelle approche du soin sur ces 11 structures énergétiques. Bon, c'est pour me rassurer, qu'on soit clair. Mais ça sera aussi pour donner... C'est besoin d'être rassuré, quand même. Toujours, tout le temps. Chakra du cœur, on y va. Mais parce qu'en fait, c'est aussi une manière de donner des outils à des personnes qui sont rationnelles comme moi. J'ai beaucoup de personnes en formation qui sont à mon image, qui sont mon miroir, et qui vont avoir besoin d'éléments d'anatomie, d'éléments de biologie, d'éléments du corps. Et pouvoir leur donner ces éléments, ces structures énergétiques, ces structures du corps, c'est aussi une manière de faire des ponts avec leur médecine. Donc, c'est vrai que pour cette partie-là, c'est beaucoup pour les personnes soignantes qui viennent me consulter. Et c'est une manière, j'aurais envie de dire, d'être toujours mon Saint Thomas, de donner des éléments concrets. Alors, voilà, c'est une manière de l'aborder, mais in fine, la réponse sera aussi la même. Elle va amener à cet invisible, elle va amener à cette relation personnelle que tu vas entretenir avec l'énergie, que tu vas entretenir avec ton mana. Et qui va peut-être beaucoup plus intuitif chez d'autres, beaucoup plus mental chez d'autres, beaucoup plus médecin dans mon cas ou dans ma démarche, beaucoup plus polynésien aussi, beaucoup plus hawaïen. Enfin voilà, on est tous différents, donc on a tous une approche qui va nous correspondre. Cette vibration. Tu as sorti un livre ou tu vas sortir un livre sur le mana ou Alors, ou l'oracle J'ai sorti l'oracle du mana déjà l'année dernière. Donc ça, c'était super chouette parce que ça m'a amené beaucoup de messages, beaucoup de rencontres. Ça a aussi permis, et ça, j'en suis vraiment reconnaissante, aux guérisseurs polynésiens qui ont tendance à se cacher parce qu'ils ont peur de la perception de la guérison. Il faut comprendre qu'en Polynésie, le système judiciaire a puni et a donné des amendes en fait, aux guérisseurs pendant quasiment 100 ans. Donc les Polynésiens se sont cachés. Et aujourd'hui, certains guérisseurs polynésiens me disent merci parce que grâce à toi, je peux enfin reprendre la responsabilité de ma médecine en tant que Polynésien incarné, on va dire. Et après, j'ai terminé un livre qui va être édité chez le même éditeur, chez Très Daniel. Donc, c'est en cours de relecture. Donc, c'est incessamment sous peu. Ça sera un livre sur le mana, Manuiti, ça s'appelle, donc le petit porteur du mana. Ça, c'est un mot qui me vient de l'île de Pâques, d'ailleurs. Petit porteur de mana. Donc, c'est vraiment de dire quelles seraient les clés que la Polynésie peut vous proposer pour pratiquer le soin polynésien, mais bien sûr, le soin énergétique, le soin chamanique, le soin sacré, quoi. Mais si je te parle de filtre d'amour. Ah, voilà, on va revenir sur mon chakra du cœur. Et voilà. Yes, ça va, boum, 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 boum. Alors, filtre d'amour, c'était une manière de me cacher, puisque j'ai voulu moi aussi beaucoup me cacher. J'ai appris en Polynésie. Donc, ça a été une manière de aussi raconter ce que j'ai souhaité expliquer de ma démarche de médium. Et ce que j'ai appris dans ma pratique de médium, c'est que nous portons beaucoup de filtres. Des filtres vont nous aider. D'autres vont être de l'ego ou de la structure héritée. Et de faire enlever ces filtres avec de l'amour,
va nous permettre de pouvoir se déshabiller pour mieux se réhabiller. Après, filtre d'amour avec un pH, bah, c'est la potion aphrodisiaque, donc forcément, ça va beaucoup me plaire, puisque je peux vendre des filtres d'amour. Génial. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes, hein? Avec plaisir. Alors, avant de passer aux questions des internautes, évidemment, je vais vous parler de l'atelier. Alors, il ne reste plus que deux places, hein. C'est l'atelier de Adeline Castel-Leproux, atelier du 28-07-2022. Évidemment, ça s'appelle « Développer sa médiumnité par les archives akashiques ». Alors, je vais vous lire un petit peu ce que dit Adeline à ce sujet. Alors, durant cet atelier, vous apprendrez à entrer dans vos archives akashiques. Adeline est médium et formatrice professionnelle. Vous pourrez poser des questions au sein de cet espace sacré, rencontrer vos guides, permettant ainsi de développer vos potentiels et votre évolution personnelle. Donc, c'est le 28 juillet avec Adeline Castel-Leproux. Voilà, c'était la petite minute publicitaire. Maintenant, je vais accueillir Cyril qui va venir poser toutes les questions. Bonjour Cyril. Bonjour, c'est magique, oui. T'es pas là tout à l'heure, hein? Non. Le porcher est tellement créatif. Ah là là. Tu penses à moi souvent, alors c'est bien. J'ai pensé à toi, t'y es arrivé. C'est magique, quand même. C'est bon. Bonsoir. Vous êtes mignon. On nous le dit souvent. Non, il n'y aura pas tout le monde. Attends. Ça va jaser, attends. Ça va jaser. Alors, je suis là pour les questions des... Voilà. Alors, la première question, en fait, tu y as répondu. Je pense qu'elle a été posée un peu avant, parce qu'on peut demander quand est-ce que ton livre sortait. Alors, je n'ai pas de date encore à donner, puisqu'on est en train de finaliser la relecture. C'est l'éditeur qui dit. Je pense que ce sera l'année prochaine, à mon avis, 2023. Rentrée 2023. Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs rentrées littéraires, il n'y a pas que septembre, il y a janvier aussi. Il y a janvier aussi. Oui, il y a une très bonne sortie. Et il y aura un autre oracle aussi, j'en profite. Voici ma minute publicitaire, et qui sera sur les eaux polynésiennes. Alors, l'eau polynésienne, les eaux polynésiennes. Oui, qui est très investi dans l'écologie, dans l'eau. Sauvez l'eau. Ne sauvez pas Willy, sauvez l'eau, pardon. Non, sauvez les deux. Willy. Willy aussi, le pauvre. Le pauvre, pensons à lui. Il nous a fait pleurer, Willy. C'est vrai. Alors, la question, c'est Lara, qui nous pose. Alors, et ancestral, il manque le début, je pense. Le bon sens, la foi dans le divin, l'état de grâce, sa sensibilité est-elle déjà présente avant son déménagement et dans quelle mesure cela s'est manifesté? Alors, je ne sais pas pourquoi il me manque un début. C'est moi qui lis mal. Non, c'est ça. Mais le bon sens, la foi dans le divin, l'état de grâce. Peut-être qu'elle, Est-ce que tout ça était déjà présent avant ton déménagement? Mon déménagement à Tahiti, je suppose. Merci pour la question. Je pense qu'il était déjà présent, puisque j'avais cette forme d'appel. Il était présent sous une autre forme que le chaman, que l'ésotérisme. Enfin, je ne sais plus comment il faut l'appeler, l'invisible, on va dire. C'est-à-dire que j'ai quand même toujours eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie. Beaucoup une guidance intuitive. Et je pense que c'est une manière de dire, oui, avant d'avoir cette conscience-là, j'avais déjà énormément de choses, déjà un petit ange, des étoiles qui me guidaient sur ce chemin. Tu écoutais quand même? Oui, j'écoutais quand même. Mais tu écoutais. Voilà, j'étais sélective, on va dire. Jusqu'à un moment où ils ont vraiment insisté pour que tu partes là-bas. Alors, la question suivante, je pense que tu as répondu aussi, ou alors j'ai interprété. Dominique me demande si tu as vécu en Polynésie dans une vie antérieure, si tu le sais. Alors oui, je me suis connectée à une vie antérieure en Polynésie, donc ce qui m'a derrière aussi permis d'accéder à cette idée de la Lémurie ou des temps anciens. Pour moi, ce que je peux en partager, ce que je peux en exprimer, c'est qu'on était vraiment dans un contexte volcanique, très, très sauvage, très brut. Et j'étais une femme, j'étais donc déjà incarnée en femme, qui devait tuer son enfant. D'accord. Parce qu'en fait, toute une pratique, ça va peut-être permettre de parler du sacrifice dans les tribus anciennes, toute une pratique estimait que lorsqu'un enfant naissait dans certaines
parce qu'on avait la notion de caste, comme chez les Indiens. Donc, dans certaines parts de la société, donc si tu nais d'un, enfin, si tu nais d'un roi, si tu nais d'un prêtre, on va plutôt dire expert, d'un fabricant de pirogues, ou si tu nais chez les Hari-Oi, donc les Hari-Oi, c'est un peu les troubadours, ce sont ceux qui sont là pour donner la flamme sacrée, donc ils vont être élus, on a la notion de élus chez les Polynésiens. Et donc, si une femme tombe enceinte, elle va devoir tuer son enfant à la naissance, au niveau de la fontanelle. Et en fait, c'est un sacrifice qui est autorisé pour faire comprendre que la mère doit se détacher de son instinct de maternité pour générer une autre féminité qui serait celle de la femme artiste. Donc il y a plein de choses dans cette conception, mais qui serait aussi intéressante sur l'idée que l'âme peut choisir de mourir dès la naissance. C'est vraiment cette idée... Je ne suis pas fan. Il y a une certaine violence et en même temps, il y a une certaine beauté, puisque tu acceptes que ton enfant vienne en toi pendant 9 mois, naisse, que tu le portes et tu décides de le tuer pour l'aider à faire autre chose dans l'âme d'après, la vie d'après. Donc c'est beaucoup de courage quand même. Pendant la grossesse, elle sait déjà qu'il va mourir. D'accord, c'est tout le processus. Et du coup, la question, c'est ce que tu as appris, c'est ce que tu as canalisé. Voilà, c'est ce que j'ai canalisé. Donc après, c'est est-ce que c'est vrai ? Voilà, non, mais c'était une question, c'était tout ça. Donc oui, la réponse, c'est j'ai eu une vie antérieure, selon ce langage, et c'était une vie où j'ai appris une certaine violence, beaucoup d'informations sur le rôle de la femme, le rôle de la maternité, le rôle de l'artiste, le rôle de l'âme aussi. Mmh. Et ça, c'est un message que je peux partager avec beaucoup de femmes qui vont connaître des avortements, des fausses couches, des morts du nourrisson, de comprendre que l'âme du bébé choisit aussi de mourir, ce qui est très très dur en termes émotionnels, c'est une émotion très très difficile à comprendre très pour difficile. Les vivants qui restent. Voilà. Et sauf que en fait, c'est aussi une manière d'apporter un réconfort. Donc peut-être que cette tradition nous permet de faire comprendre que l'âme répond à un destin autre et qu'il vient véritablement pour vivre cette expérience-là. D'accord. Et est-ce que tu te reconnectes souvent à cette vie intérieure ou tu l'as fait une fois ? Je l'ai fait une fois. Une fois. Et tu veux pas le faire ? Je pense que la leçon est... Il y a un moment où... je te comprends. Merci beaucoup. Après, j'ai eu aussi une connexion avec un Maori guerrier des Marquises, très forte, que lui, aujourd'hui, j'estime plus être un guide qu'une vie antérieure. Donc, quelqu'un que je vais consulter pour avoir accès à certaines informations. Et lui, c'est un bon petit Maori sympa, il est très beau, il est très chouette. Voilà, on regarde avec plaisir. C'est plus sympa. Alors, question de Victoire. Les statues de l'île de Pâques sont-elles des points énergétiques particuliers ? Sont-elles sur des points énergétiques particuliers ? Tout à fait. Je pense que de toute façon, tous les marais, alors les marais, on n'en a pas parlé, les marais, ce sont les temples polynésiens. Donc, c'est l'équivalent des pyramides comme chez les Mexicains, qu'on a toujours, par exemple. Donc, elles sont à escalier. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun qui existe en Polynésie. Donc, ils ont complètement été détruits. Et en fait, c'était une manière de placer un lieu sacré sur un vortex. Même chose pour les morais. En fait, on a véritablement fait des alignements pour réincarner des constellations, réincarner des lignes énergétiques pour le besoin de la communauté. Tu n'as pas eu des informations comme comment ils les ont construits, comment, voilà, on ne sait jamais. On veut savoir. Okay. Alors, scoop ce soir. Scoop, j'attends. Attention. Alors, je vais renvoyer la question. Qu'en penses-tu ? Alors, j'y ai répondu d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles ont été construites pour réincarner un défunt ou réincarner quelqu'un qui venait de partir. Donc, ça veut dire qu'on aurait eu cette capacité de porter de telles masses de kilos. Donc, c'est le mystère. Alors, c'est là où on peut rentrer dans la physique quantique, la physique physique, et dire qu'on avait en fait les capacités par la télépathie de déjà soulever, de déjà sculpter, de tout faire en mode automatique. Vous connaissez Cendrillon ? Elle a un ménage automatique. C'est la même chose. Ben voilà. On aimerait tous l'avoir d'ailleurs, ménage automatique. C'est la même chose, c'est un petit sculpteur automatique qui grappe par la force de ta pensée. Ok, j'imagine un moai, donc j'imagine la pierre à l'intérieur de la terre. Je la fais sortir de sa terre, je la fais ascensionner, je vais la sculpter. Ces informations que tu as reçues ou c'est ton intuition ? J'aime bien quand tu persistes. Alors, mon intuition reçoit des informations, ou ma canalisation reçoit des informations, mais je reste un canal avec son orientation, son vortex, donc
À quel point est-ce que j'influence cette information? À quel point est-elle véridique? Veux-tu une madeleine de preuve? Je veux dire, voilà, c'est... C'est un mystère. J'attendais ta réponse et puis je suis satisfait. Pas de remboursement ce soir. Alors, on reste en Polynésie. Qu'avez-vous vu en premier en Polynésie dans vos voyances? C'est Ren qui pose cette question. Alors, en premier, ce que j'ai vu en Polynésie, ouais, en arrivant en Polynésie. En faisant ta première voyance, on va dire. Alors, ok. Alors, première voyance pour moi, c'est à la sortie de l'avion. Et là, je vois une magnifique fleur de tiare dans la montagne. Et là, c'est pour ça que je me dis, je suis chez moi, il se passe un truc. Ça veut dire, c'était une intuition que je n'ai pas du tout conceptualisée comme une intuition puisque j'étais encore rationnelle. Je venais pour une conférence. Là. Par contre, ma première voyance, ou en tout cas ma première perception du sensible, c'était une personne qui arrive avec une sciatique et qui ne marche, enfin qui a énormément de difficultés à marcher. Donc on se retrouve quatre copines du stage et les trois copines partent au bout de 5 minutes et me laissent toute seule. Et en fait, les mains bougent, quelque chose de... Enfin, je laisse tomber tout et tous mes protocoles, tout. Et je me dis, bah, de toute façon, tu en es là, hein, tu as fait un stage énergétique, ma grande, donc tu es déjà bien allumée. Vas-y, écoute. Et là, fil doré, et je vois les dorsales, la numéro 7, la numéro 11, hein, les lombaires, c'était... J'opérais la personne. Et en fait, en avançant sur ces dorsales et sur ces lombaires, j'ai vu trois images. Et ces trois images étaient trois parts de la vie de cette personne qui a mené en fait au décès de son papa quand elle avait 22 ans, donc l'origine de sa sciatique répétée. Mmh. Et c'est comme ça que ça s'est vraiment réveillé. C'était très... C'était ton premier soin? C'était mon premier soin. Premier soin. Et j'ai été sonnée pendant plusieurs jours parce que j'ai vraiment pas compris. Comme il y avait des personnes, une petite dame qu'on avait surnommée Yoda, oui, on aime bien Star Wars en Polynésie, elle a commencé à donner mon numéro de téléphone, donc j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir puisque des personnes ont commencé à venir en disant... Bouche à oreille. Voilà, bouche à oreille. Et en même temps, heureusement que j'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix d'intellectualiser trop longtemps. Boum, je pars. Et puis, tout de suite, des personnes que je vois, et ce que je vois est vrai. Donc, une confirmation pour ma confiance, pour ma rationalité. J'étais très vite nourrie pour ça. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. C'était bien guidé. Ah ouais, de toute façon, toujours. Hein, merci. Merci. Alors, question suivante, c'est Lara qui demande. Que fais-tu comme métier à présent? Alors, je suis écrivain et médium. Donc médium, ça c'est la partie dont on a parlé. Écrivain parce que ça reste ma nature. J'écris depuis l'enfance. C'est ma passion. Ouais, c'est voilà. Mais j'écris du coup pour des entreprises parce qu'avoir une activité ou pour un éditeur, avoir une activité concrète me nourrit aussi dans ma personnalité qui a besoin de rationalité, de points de repère. Donc j'ai la chance d'écrire des livres qui n'ont rien à voir avec c'est écrivain public, donc je peux faire des portraits. Je fais beaucoup de portraits, j'ai fait des guides touristiques, j'ai fait un peu de tout, c'est en fonction du client qui vient à moi, et c'est super, c'est chouette. Question suivante. Ali Gigi qui demande, faut-il faire beaucoup de méditation? Oui. oui, alors c'est une part, la méditation dans la médecine polynésienne, ça sera le pilier upo. Donc ça veut dire de reprendre son mental et de, entre guillemets, le diriger, hein, avec toute l'ouverture que ce mot peut vouloir dire, et de recréer une légende par la visualisation. Le Hawaï, hein, le Huna, le Ho'oponopono, on est beaucoup sur l'idée de la visualisation créatrice. Hein, ça a été réutilisé ensuite. Et on est sur l'idée que cette visualisation va te permettre de passer ton apprentissage émotionnel. Donc, une manière de méditer, c'est une manière de à la fois orienter, par exemple, sur une mémoire, peut-être une intuition qui te dit « Ah, j'ai peut-être été tuée en tant que sorcière sur un bûcher. » Donc, je vais méditer, je vais visualiser. Donc, tu as une frontière entre les deux. Et puis, d'autres, ça va être une manière peut-être de méditer sur une émotion. Donc, la méditation, pour moi, fait partie des points de repère de ma pratique. Pour répondre aussi à qu'est-ce que c'est être médium, pour moi, être médium, c'est avoir une manière de vivre. Et rituel. Donc, moi, rituel, tous les matins, c'est méditation. Et tous les soirs, c'est nettoyage du corps. C'est rituel de purification. C'est Ho'oponopono aussi. C'est une discipline, quand même. Ah, nature. C'est devenu une nature. Parce que la discipline, pareil, rebelle, hein, c'est un mot que... Ça devient une routine, comme disait Jean-Jacques. Ouais, c'est une routine, mais qui devient une nourriture. C'est comme le sport. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport, est-ce que ce n'est pas une drogue?
C'est une drogue, mais j'espère dans le bon. Mais d'ailleurs, la drogue est utilisée aussi dans la médecine sacrée. Hein, quand elle est bien utilisée, elle va te permettre là aussi d'accéder au sacré, hein, la drogue. Donc c'est important de comprendre que cette plante, par exemple, peut nous permettre d'accéder, si on parle de la drogue, la coca, enfin, etc., la ayahuasca, etc. Chez les Polynésiens, c'est le kava, la racine du kava. Donc on a une drogue, une addiction intuitive, mais qui va aussi, enfin, qui est là pour nous faire du bien, qui est là pour nous. On a déjà plein de drogues en nous, en plus. Puis nous sommes une alchimie continue, quoi. Alors, la question, je pense que tu y as répondu, mais tu l'as reposée. Victoire qui demande, le mana, c'est la même énergie que celle du Reiki? Alors, c'est sûr que le Reiki, j'ai souvent plus de difficultés à en parler, parce que, ayant aussi ce côté un peu rebelle, je trouve qu'il y a beaucoup de protocoles. Après, c'est intéressant, puisque voilà, certaines personnes en ont besoin. Oui. Donc oui, c'est une énergie de Reiki. Je ne pense pas que Reiki soit énergie, mais je me trompe peut-être. Je pense qu'ils utilisent le mot chi ou le mot ki, je ne sais pas. Enfin, bah, d'ailleurs, on n'entend plus. C'est le premier degré, mais je t'avoue que je ne... On parle d'énergie. Après, oui, ça va être la même énergie, en fait. Ça va être un mot similaire. Voilà, Niaouli, Newen. Enfin, c'est tous les mots, en fait, qu'on va trouver là, dans l'ensemble de nos cultures qui vont ramener à une énergie qui circule... entre nous, parmi nous, avec nous. Bah ouais. Après, ouais, la différence, ça va être justement comment tu l'utilises. Oui, comment tu l'enseignes, comment tu l'utilises. Et comment tu la récupères, comment je peux m'en servir. Donc oui, le Reiki, c'est un peu complexe. C'est comment tu la transmets, en fait. Comment tu la transmets à l'autre. Ce qui est intéressant dans le Reiki, justement, c'est de donner des points de repère, peut-être. C'est cadré. Si j'ai bien compris, j'ai pas fait le Reiki, donc c'est dur d'en parler aussi. Mais ce que j'ai compris, c'est que voilà, tu as des étages, tu as une guidance avec quelqu'un qui te suit, etc. Donc, des exercices à faire tous les jours, etc. En Polynésie, si on est sur l'enseignement de l'énergie intuitive, de la médecine intuitive, c'est plus une expérience. Mmh. Par exemple, si tu commences ton éducation en tant que tarwa, c'est on te balance 3 jours dans la nature et on te fait faire des exercices. Mmh. Tu parles pas, on te dit rien. On te met dans l'eau, on voit la capacité que tu as à faire de l'apnée, à résister, à pas résister. On te fout dans la pampa et on regarde si tu es capable d'aller chercher de la nourriture, de retrouver ton chemin. Donc c'est sympa. Ouais. Mais c'est voilà. Et au bout du 4e jour, il ressuscita. Donc là, tu commences à avoir un échange. Désert, là. Mmh. Il y a quand même des trucs qui sont pas faits pour moi, quoi. Mais tu crois que Koh-Lanta est tourné en Polynésie, pourquoi? Ouais, mieux pas le regarder d'ailleurs, parce qu'ils ont tué des raies. Bref, c'est pas censé le dire, mais c'est pas grave. Voilà. Ils ont tué quoi? Ils ont tué une raie. Donc ça a été un grand scandale. Mais non, faut pas en parler. Sinon, je vais me faire. Voilà, bref. Non, parlons pas de ça. Il y a un côté un peu sauvage, en fait. Mmh. Bah, il suffit de regarder les Maoris. Enfin, je veux dire, Mais c'est une belle nature sauvage. C'est une nature instinctive. C'est en fait pourquoi animal, c'est. Oui, ces trois jours-là, on revient sur cette idée de la nature. Quelle est ta nature profonde? Et en fait, en déconstruisant ta nature, on va te permettre de faire émerger ta vraie nature. Tu as fait ces rituels, toi? Oui. Oui, bien sûr. Sinon, je n'aurais pas le droit de parler. Ce n'est pas que je n'aurais pas le droit de parler, mais... Et est-ce que c'est dur? Ben, ça dépend. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des moments où tu dis, bon, je laisse tomber? Ou ça ne va pas jusqu'à ce point-là, on dit, on sait qu'on peut y arriver. On sait qu'on peut y arriver. Sinon, tu le fais. En tout cas, de ce que j'en ai ressenti, j'avais tellement un appel, j'avais tellement compris que ça allait m'apporter... tout ce dont j'avais besoin, ou en tout cas plutôt ce qui me manquait, c'était plutôt ça que j'ai suivi, et je me suis dit on y va, en fait. Ça a été une belle expérience. Bon, après j'ai tu te sentais entourée à ce moment-là? Ouais. Et puis il y avait beaucoup de personnes qui m'ont aidée, j'ai eu beaucoup de rencontres. De toute façon, c'est plusieurs guérisseurs, hein. C'est une espèce de solidarité énergétique d'ailleurs, et c'était magique. Et la différence a été quoi à la fin de cette initiation? T'as ressenti quelque chose de particulier ou... Je dirais que ce que j'ai ressenti, c'est mon mental qui a accepté. D'accord. Et étant donné que j'avais une construction très forte de ce mental, il y a quelque chose qui a lâché. J'aime bien dire, j'étais à 1000 pensées la seconde. Après 10 jours d'initiation, j'étais peut-être à 100 pensées par seconde. D'accord. J'ai ralenti, accepté. Question suivante. Ali, qui revient, qui demande, faut-il rentrer dans une méditation et en faire énormément pour pouvoir récupérer ses capacités? Merci. Alors, énormément, déjà, qu'est-ce que c'est énormément?
Ben oui et non, je pense que chacun est différent. Certains vont avoir besoin de la méditation pour pouvoir retrouver ses capacités. D'autres vont avoir besoin du corps, d'autres vont avoir besoin de rencontres. Il y a quand même des personnes que l'on rencontre qui nous donnent des clés énergétiques. On dit toujours qu'on retrouve ses copains hein, sur Terre, je crois beaucoup en ça. Donc chaque rencontre, surtout celles qui sont fortes, quand on est médium, on sait qu'elles viennent. Donc on peut, voilà, c'est cool. Mais certaines nous surprennent aussi, donc ça c'est génial de se faire surprendre. Donc c'est important de dire qu'il y a des rencontres, qu'il y a des lieux. On en revient sur la notion de vortex. Dans mon histoire, j'ai fait un certain nombre de pèlerinages énergétiques, grâce à mon métier d'ailleurs. Et puis y a la méditation, mais il y a la manière de manger. Parfois, ça... La formule alchimique dépend de chacun, hein. Ouais. C'est un saut quantique. Donc, Ali, moi, j'aurais envie de dire qu'est-ce qui vous parle, en fait, et qu'est-ce qui vous bloque. Et il y a quand même une hygiène, en fait. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a quand même une hygiène à respecter. Ouais, après, je vais te dire une autre réponse qu'un tahoua polynésien m'a dit, mais il m'a dit « laisse venir, attends ». Une autre initiation, c'est « tu te mets face à la mer ». Et tu regardes les écumes, et tu regardes le vent, et tu regardes les oiseaux. C'est très sympa à faire. Et surtout, tu t'ennuies pas. Mais parce qu'en fait, tu génères l'ennui. Et en générant cet ennui, enfin moi, je génère l'ennui, tu génères la compréhension de comment vit l'écume, de comment vit l'oiseau, de comment tout ça interagit. Et là, il y a quelque chose aussi qui se révèle. C'est une méditation aussi, ça. Est-ce une méditation, est-ce une observation? Comme je disais, c'était regarde une fleur et attends qu'elle soit belle. Voilà. Elle est belle peut-être au premier regard, ou elle sera belle au 15e regard, ou elle sera peut-être jamais belle. Est-ce que tu ne la verras jamais dans son essence? Donc c'est le filtre aussi, on revient sur qu'est-ce qui va t'aider à faire un filtre ou pas, à enlever ce filtre ou non. Et là encore, on en revient sur une variété en chacun de nous. Mais chacun sera différent. Ouais, le chemin est là. Par contre, ça... Oui, c'est difficile à chaque fois. C'est vrai qu'on demande à chaque fois, comme tout à l'heure à Jean-Jacques aussi, des recettes. Il y a une baguette magique, il faut arrêter de croire qu'il y a une baguette magique. En fait, la magie, elle est en nous. Hein. L'âme agit en nous. Je vais dire, c'est ça notre baguette magique. Par contre, il y a un processus. Merci Jean-Jacques. Jean-Jacques valide. Merci. La magie. Le langage des mots, c'est quand même beau aussi. Ah, j'adore. C'est génial. Quand tu dis, en plus, tu vois, en tant qu'écrivain amoureuse des mots, dès que tu décomposes les mots, tu as tout le secret de l'univers. Une autre manière de se reconnecter à ses capacités, reconnectez-vous aux mots, reconnectez-vous au langage. Amusez-vous à jouer avec les mots. Ils sont là aussi pour vous apprendre à changer de filtre, à regarder à 360 degrés. Est-ce que ça fonctionne avec toutes les langues? Parce que je sais Alors, ce qui est génial, c'est que, ayant étudié l'anglais, l'espagnol et l'arabe, et donc le polynésien, forcément, j'ai pu voir énormément de points communs, en fait, surtout entre l'arabe, le polynésien et l'hindi, ce qui est quand même assez improbable quand tu y penses. Hein. Et le mot, plusieurs mots, en fait, et quand tu entends en champ vibratoire, c'est des champs vibratoires. Et c'est vrai qu'une manière de former, je pense à l'international dans toutes les pratiques chamaniques, c'est la vibration. La sonorité. C'est la sonorité. Donc le mantra. Le mantra en polynésien ne va rien dire. Ça va être une série de vibrations que Même si on ne le comprend pas, si ça ne veut rien c'est dire, pas grave, c'est la sonorité. Ça agit quand même. Oui, mais ça ne va rien dire. Oui, à l'oreille. Exactement. Mais en fait, chaque vibration va être le résumé d'un mot, d'un concept, d'un totem, d'un tatouage, d'un symbole, d'une histoire. Donc, en c'est fait, notre âme qui traduit. Voilà. En fait, c'est l'hermétisme, c'est le tapou. C'est le tapou chez les Polynésiens, c'est le sacré. Donc, c'est le secret et le sacré. Et tu vas rentrer par couche dans ce sacré, petit à petit. Et c'est l'oignon, on donne toujours l'image de l'oignon. Donc, tu rentres dans ces couches et tu rentres dans ces filtres. Et plus tu rentres dans cette dentelle, plus tu rentres dans toi-même. Et est-ce que du coup, les sonorités, justement, elles sont universelles alors? Et du coup, alors, les langues étant complètement différentes, parce que si on prend du russe, de l'allemand ou du polynésien, on n'est pas du tout sur les mêmes sonorités. Ouais. Et pourtant, il y a une similitude. Alors, je pense qu'il y a une statistique pour ça. Alors, je ne vais pas le dire parce que je ne m'en souviens plus, mais je crois que c'est 70 ou 80% des langues qui appartiennent à la même famille. C'est sur Internet. Donc, on a quand même une racine. 70%, hein, si on revient sur 70%. Comme pour l'eau, voilà. Merci de suivre. Donc, on aurait quand même des racines similaires. C'est juste qu'elles se sont éparpillées. Si on va chez la Bible, c'est la tour de Babel. L'éparpillement. Ouais. Mais par contre, elles vont toujours ramener à la même source. Donc, si on apprend différentes langues, on va réapprendre cette source. Ou en tout cas, la toucher, l'apprivoiser. Mais par contre, c'est marrant parce que là, je viens de faire un stage justement et une de mes manouïti m'a posé cette question.
et me disait, est-ce qu'il existe un langage vibratoire? Et on a commencé à dire, ah bah, le om, bien sûr, le ta, le ma, le o, qui va revenir souvent dans la pratique du soin chamanique. Et donc, je pense qu'il y a un langage universel. Peut-être que quelqu'un là, peut-être qu'un de vos invités pourrait vous en parler, j'en sais rien. Mais en tout cas, il doit être quelque part. On geste chez son, quand même, depuis quelques temps. Ça, moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Oui, bah, écoute, je demanderai à quelques chamans que j'ai invités. La dernière question. Est-ce que, donc c'est Dominique, est-ce que Céline a pu canaliser Hervé Bazin? Alors lequel? Céline, quand même, et lui a-t-il donné son avis sur cette ouverture spirituelle? J'adore. Donc, je pense merci que beaucoup, Dominique. Tu as parlé de serpent aussi tout à l'heure. Donc, tu vois, Bah oui, hein, la vipère au point est bien là. Ça, merci beaucoup, Dominique. Alors, j'ai rencontré Hervé Bazin, forcément. Hein, je l'ai rencontré à 11 ans. Ça, c'était une rencontre très forte, puisque comme j'avais déjà l'écriture en moi, c'était très fort de le rencontrer. C'est ta famille? Oui. Pardon. Non, je ne savais pas, voilà. C'est bon, pardon, désolé. Oui, mais je connais. Non, mais, oui, tout le monde. Non, mais il peut peut-être y avoir beaucoup de Hervé Bazin. Il y a beaucoup de Hervé Bazin. Et l'histoire, c'est qu'il s'appelle Jean-Paul Hervé Bazin, en fait. Mais donc, dans la famille, c'est pour ça que je demande lequel veut le dire, parce qu'on est plusieurs écrivains. On a un René Bazin qui a été membre de l'Académie française. On a une Marie Bazin qui était la sœur de René Bazin, qui écrivait sous le pseudonyme masculin de Jacques Bruet. Donc, c'est quand même assez anecdotique, assez improbable. On a eu plusieurs écrivaines dans la famille qui étaient des voyageuses. Donc, clairement, il y a eu un héritage aussi pour moi. Ouais, c'est voilà, beaucoup de pigistes, etc. Bon, on a eu beaucoup de médecins, vraiment, chez Hervé Bazin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fils de René, non, le fils de Marie, s'est marié à une Madame Bazin. Non, c'est, voilà, c'est le mari de Marie, je vais y arriver. Ferdinand a épousé Marie et a voulu coller Hervé et Bazin ensemble. Et donc, ils ont donné naissance à Ferdinand, puis, non, Jacques, qui a donné naissance à... Je vais y arriver, Jean-Paul. Merci Jean-Paul. L'histoire de la généalogie. Donc Jean-Paul, l'écrivain connu, qui a écrit Vipère au point. D'où le fait que je porte Céline Hervé Bazin. Tout le monde me croit mariée. Je kiffe. Mais c'est... J'avais vu, mais je me suis dit, bon, ça doit être... Voilà, comme il doit y en avoir 100 000. Et voilà, et je m'appelle Céline. Donc oui, Ferdinand, Céline, donc c'est sympa. Merci les parents. Ça fait beaucoup d'écrivains. Mais c'est top. Et pour répondre à la question, donc je n'ai pas canalisé Jean-Paul. J'ai beaucoup échangé avec son fils, à qui je passe bonjour d'ailleurs, lui a une histoire quand même très traumatique avec son père, hein, père voilà, qui a aussi son histoire. Donc ce que je pourrais dire, de ce que je pourrais ressentir du personnage, pour répondre à la question de Dominique, c'est que je suis sûre qu'il ouvrirait les bras à ma spiritualité. C'est ça, il était branché. Je pense qu'il... il la comprendrait, mais ouais, si tu veux, Dominique, ou pardon, tutoie tout le monde à Tahiti, je demanderai et réécris-moi et on verra si le bonhomme a répondu. Voilà, rendez-vous au prochain épisode. C'était un petit teaser. C'est ça, en plus, toi, dernière question qui amène sur une suite. Complètement. Merci. Tome 2. Merci. Comment t'as deviné? Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Merci beaucoup, Cyril. On va dire aussi merci à toute l'équipe, hein, évidemment, Laurent Chac, Stéphane. Mathieu, on n'a pas dit Mathieu. Mathieu qui est au montage, je l'ai oublié tout à l'heure. Mille excuses, Mathieu. Bisous. Voilà. Le public, maintenant que ça le public. Le public aussi, un public très nombreux qui est devant nous. Il faut le dire, on fait des émissions en public, on fait payer. Hein. C'est cher à la place. Non, c'est pas vrai. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Évidemment, vous le savez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Je vais encore faire un remerciement, mais c'est pour remercier mon fils qui a assuré la modération ainsi que la transmission des questions. Parfait. Merci beaucoup à Christelle aussi. Je suis sûr qu'elle était sur le chat et qu'elle a dû regarder. Elle est encore allée dans le chat. Bisous Christelle, comme d'habitude, tu es indispensable. J'ai déjà dit merci à mon fils, oui. Tu peux le redire. Voilà. Gros bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche avec Natacha Calestrémé, qui va nous parler de son petit cahier de vacances. Et voilà. Des devoirs de vacances? Non, c'est un petit cahier de vacances. Il y a des petits devoirs quand même. Des rituels. Des petits protocoles à faire. Donc voilà, donc dimanche 18h30 avec Natacha Calestrémé. Voilà, comme ça, vous pourrez passer de très belles vacances. Et puis moi, je vous embrasse à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à la prochaine. Merci.